Salut les mecs, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo présentation moto. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, ça va bientôt faire 3 mois que j'ai pas filmé d'abonnés. Et là c'est un abonné qui d'ailleurs me suit depuis super longtemps, parce que j'ai vu sur Insta, ça fait des années qu'on se parle en fait, et j'avais pas percuté, mais c'est le pseudo. Quand j'ai vu sur ma boîte mail, j'ai recalculé, qui est venu me présenter sa moto. Donc je suppose, avant de te montrer, t'avais pas de moto en fait avant? Non. Ouais, voilà, c'est pour ça. Ouais, c'est un truc de fou. Donc les amis, avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on est bientôt 200 000, à liker cette vidéo si vous voulez venir me présenter votre moto. Je vous mets directement mon Instagram en commentaire, et si jamais passez par mail, parce que des fois j'ai un peu trop de messages et j'ai du mal à répondre. Et en tout cas, 3000 pouces bleus, on représente une moto. Les amis, c'est parti, on se retrouve directement pour la présentation de cette moto. Bonjour à toi, alors comment tu t'appelles? Dorian. Dorian, quel âge? 24 ans. 24 ans, et les amis, il vient tout simplement, avant de montrer sa moto, on peut la montrer la plaque ou ouais, pas? Ouais, de Belgique. Pas de soucis. C'est un Belge, les amis, qui vient nous présenter sa moto aujourd'hui. Alors avant que la vidéo commence, on a un petit peu discuté, et je peux vous dire que la Belgique, il y a énormément de choses sur les motards. Il m'a dit 2-3 petits trucs, et je suis fou, je ne connaissais pas du tout. Et j'avais une petite question, parce qu'on va parler du sponsor de cette vidéo, les amis, qui est autre que Car Vertical. Est-ce que Car Vertical, en Belgique, c'est utilisé? Non. Tu connais pas? Non. Ah, c'est un truc de fou. Alors c'est un service, du coup je vais te l'expliquer, qui vous permet de vérifier votre moto, votre voiture, tout ce qui est un numéro de châssis ou une plaque d'immatriculation. Tu vas sur l'application de Car Vertical, tu rentres ces informations là et ça va te donner les informations sur ton véhicule, le kilométrage, combien de propriétaires ça a eu, combien de dommages ça a eu, si le véhicule a été tapé par exemple en Belgique, ensuite s'il a été vendu et récupéré par un Français. Tu vas le voir sur Car Vertical. Là je vous mets un rapport à l'exemple. Vous avez des rapports d'expertise d'assurance avec des crashs sur des véhicules, des fraudes au kilométrage. Et souvent, pourquoi je parle de ça? C'est parce qu'on a beaucoup de véhicules belges qui arrivent en France, parce qu'il y a un vrai marché entre les deux. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de véhicules français qui atterrissent en Belgique. Aucune idée. Mais je sais qu'il y a beaucoup de véhicules belges qui atterrissent en France. Et je vais te dire pourquoi, parce qu'il me semble que vous, c'est obligé d'avoir un extincteur dans la voiture. Ouais. Assez dingue. Parce que moi, tous les véhicules import belgique que j'ai vus avaient ce fameux extincteur dans le véhicule. Ouais. Enfin, c'est fou. Bon, d'ailleurs, si vous voulez en profiter les amis, vous avez moins 20% avec le code Léonade. Les liens sont en description. Et puis nous, on va directement faire le test avec la moto. C'est parti. Donc voilà, les amis, aujourd'hui, il est venu nous présenter sa moto. Alors écoute, je te laisse présenter. Déjà, c'est quel modèle? Donc Kawasaki Z500 de 2024, donc la toute dernière qui est sortie début d'année. Début d'année. Donc avant, est-ce que ça existait des Z500 Ça existait. Alors, faut savoir que les Z500, par rapport aux Z400 qui sont les petites sœurs, sont rares. Ok, bon, moi, j'en ai jamais vu. Hein. Ben, le dernier modèle Z500, c'était en 2020. Ah, donc ils ont pendant 4 ans, il n'y a pas eu d'autres modèles, c'est ça? Ouais, la plupart du temps les Z500 c'est pendant 4 ans ils en font pas. Ah ouais, c'est fou. Bah en tout cas elle est super jolie au premier abord. Donc là ça serait du coup les tout derniers modèles 2024. Donc si jamais les prochains modèles 2028, si potentiellement c'est tout, ouais. Si c'est tous les 4 ans ou soit si ça se vend bien, ils vont peut-être en ressortir davantage avant. Donc tu es en permis A2, c'est ça? Donc vas-y, direct nous explique nous comment ça se passe en Belgique au niveau des permis, parce que je ne savais pas, en Belgique c'est pas comme le permis français. Donc en France, rapidement, parce que ça se trouve il y a des Belges qui vont regarder la vidéo, 18 ans vous passez le permis A2, ensuite vous attendez minimum 2 ans. Donc tu peux le passer à 18 ans, mais comme tu peux le passer à 20 ans. Mais en tout cas, il faut 2 ans de permis à 2 pour pouvoir passer le A et la passerelle pour être en full. Donc nous, c'est 47,5. Vous, c'est pareil, 47,5. 47,5, ouais. Ok, mais toi, en Belgique, ça change. Qu'est-ce qui se passe pour la Belgique? Bah, déjà, nous, 18 ans, c'est une 125 qu'on peut avoir. Donc nous, c'est 16 ans, la 125. Vous, c'est 16 ans. Nous, c'est 18 ans. Pour le A2, il faut avoir 20 ans. Donc, donc 2 ans de plus que nous. 2 ans de plus. Et pareil pour le full, 2 ans de plus. Au final, si on additionne tout, vous êtes 2 ans plus grand. Ouais. Il voilà. faut 2 ans de décalage. Nous, quand on peut passer en full, bah vous, il faut attendre 2 ans de plus. C'est ça, ouais. Ok, donc là, il va y avoir une vraie rivalité entre les Belges et les Français. Je pense que si ça fait des balades entre les deux pays, bah, je pense que ça roule pas à la même vitesse. Enfin, quoique, après, je pense qu'il y en a. Est-ce qu'il y en a qui roulent en full, bah, qui bidouillent et qui roulent, je sais pas, avec des R1 de 200 chevaux en A2? Parce que la police là-bas, tu m'as dit, ils sont, ils sont pas très cool. Bah, en vrai, j'ai une connaissance. Ils roulent avec justement une GS1000. Ouais. Alors qu'il a pas le permis encore full, donc ok, on va rien dire sur cette personne. Il faut rien dire parce que lui, si on le retrouve, je pense qu'il passe à la trappe direct. Ah ouais. Non, parce que c'est vrai que la police, les amis, police belge, il me racontait une petite histoire avant qu'on passe à la moto, parce que vraiment la Belgique, quand il m'a dit ça, c'est fou. Il y a un équipement obligatoire.
Ouais. Nous, l'équipement obligatoire en France, c'est casque et gants, et c'est tout. Tu peux rouler en claquettes chaussettes, tu te feras arrêter, peut-être un rappel à la loi, mais tu n'auras pas d'amende, il me semble pas. Mais toi, explique-nous au niveau de l'équipement, parce que est-ce qu'il y a autre chose que les chaussures? Comme vous, un casque, gants et chaussures. Chaussures, mais par contre, tu es obligé d'avoir des bottes. Des bottes. Ou des chaussures montantes. Voilà. Donc moi, je vais en Belgique, c'est mort. Ah ouais, toi, tu viens en Belgique, 68 euros d'amende. Donc 68 euros, et il nous dit ça parce que tout simplement, il s'est pris l'amende hier, hein, c'est ça? C'est ça, ouais. Donc jamais de contrôle, mais là, hier, non, premier contrôle, 68 euros, les amis. 68 euros pour des chaussures, c'est fou parce qu'en soi c'est limite le prix de la paire quoi, de pompe. Putain, c'est fou, c'est complètement dingue. Autant mettre un rappel à la loi, mais laisser la personne avec du budget pour qu'elle achète une nouvelle paire, plutôt que lui mettre 68 euros. Et au final, la personne elle va mettre 68 euros plus la paire de bottes si elle doit acheter. Voilà. Oh, c'est un truc de fou. J'y comprends rien à ce pays. Mais voilà, sinon après il n'y a pas d'autres obligations au niveau de l'équipement, non, tout ça, tu peux rouler en short, t-shirt. Bah là ça sera comme chez vous, un petit rappel à la loi, mais... Mais il te faudra des bottes, ouais. Pas de tongs, ah, c'est un truc de fou. Bon, en tout cas les amis, sur sa moto, est-ce que tu as eu une moto avant celle-là du coup? Non, c'est la première. Première moto? Première moto, j'ai déjà essayé plusieurs motos, ça oui, mais... Ok. C'est ma première moto à moi quoi. Ok, première moto, donc ça tu vas là tu m'as dit que tu peux déjà passer le permis A, hein, c'est ça? Ouais. Le permis full, mais pour l'instant comme tu me disais, tu préfères rester sur ça. Ouais, voilà. Tu t'amuses déjà bien, c'est pas mal, surtout que la Belgique, est-ce que j'ai compris, c'est assez strict, donc on va pas faire de conneries. Donc au niveau tout simplement de ce modèle, qu'est-ce que tu peux nous dire en particulier? Est-ce qu'il y a des petites particularités sur ce modèle ou c'est comme une moto classique, comme je sais pas, c'est quoi l'autre, le 400 t'as dit? Ouais, le 400. Okay. Tout ce qu'il y a classique, hein, juste aussi truc en plus, c'est le modèle SE. Et en fait, le modèle SE, ouais, faut savoir que les clignotants sont des clignotants LED sur le SE, ouais, alors que sur le normal, non. Et toi, c'est un modèle SE, c'est ça? Ouais. Et en plus, il y a le sabot moteur. D'origine, okay, sur le modèle SE. Ça, tu ne l'as pas rajouté, hein, c'est ça? Non, c'est d'origine, ça. Ok, et du coup, toi, qu'est-ce que tu as rajouté sur la moto depuis que tu l'as? J'ai acheté un pack. Okay. Ils appellent ça pack sport. Donc, il y a une bulle. Au magasin directement, à la concession. Okay. À la concession, il y a une bulle haute. Ouais. Le pot Acra. C'est une ligne complète ou juste la sortie? Juste la sortie. Ouais. Juste la sortie. Donc, la ligne est d'origine la et ligne... ils viennent y mettre une sortie, une cartouche Acra, c'est ça? Hein, c'est ça, ouais. Ok, c'est qui est encore chicané. Oui. Et d'ailleurs, avec ça, est-ce qu'il y a une petite réglementation en Belgique ou... Eh bien oui, ils ont du coup eu la brillante idée de sortir une nouvelle réglementation pour les normes anti-pollution, etc. Et du coup, sur le modèle-là, on ne sait pas enlever la chicane. Impossible d'enlever la chicane? Impossible. Donc, si jamais tu veux l'enlever, c'est quoi? Tu vas à la meuleuse, à la disqueuse, tu viens tirer avec une pince ou... Je ne sais pas si c'est possible parce que... Parce que ça doit être soudé à l'intérieur. À mon avis, ils ont soudé à l'intérieur. Oh, ouais. C'est complètement fou. Ce qui est fou, c'est que tu vas payer ce modèle. Bon, on va parler tarifs juste après. Mais déjà, je pense que le pack sport, est-ce que tu as une idée du prix en tête? Du pack sport? Oui, très bien même. C'est que ça coûte combien? 999 euros pour être donc précis. T'as la cartouche, donc pas la ligne, parce que sinon à la rigueur, ouais, bon, 1000 euros c'est le prix d'une ligne plus une cartouche, nous, mais toi t'as que la cartouche et la bulle. Ouais. Rien d'autre. Normalement, il y a aussi un capot de sel, mais bon, je ne le mets pas. Tu ne le mets pas, mais si jamais, t'as un capot de sel. Voilà. Bah, j'avoue que pour avoir du coup une bulle et une sortie, oh, 1000 balles, c'est peut-être un peu cher, non? Et du coup, qu'est-ce que t'as changé toi après d'autre sur la moto? J'ai acheté protège radiateur. Ok. Juste là. Ouais, la grille. Ok, ça, ce qui est d'ailleurs très pratique. Ouais. Parce que sur une moto. Ouais. Au début, je l'avais pas, et bah, du coup, toute la terre, toute les la insectes, terre, et les tout, cailloux. Là-dessus. On ne sait jamais. Autant l'avoir. Et après, c'est quoi ce niveau du poste de pilotage que tu as un petit peu ajouté quelques accessoires à ce qu'on peut voir ici? Bah là du coup, bah, chargeur USB, hein. Ouais, chargeur USB classique, double port en plus, ouais, incroyable, double port, et juste ici, bah, support téléphone, ouais. Ok, impeccable. Sinon après les rétro d'origine, ouais. Est-ce que tu as le droit de les modifier en Belgique ou c'est encore un sujet sensible? Je crois que c'est un peu comme en France, hein. Faut une certaine taille. Ouais, genre moi, sinon, sur la mienne, on n'a pas le droit parce que ça dépasse en fait. Faut pas que ça dépasse le guidon, un truc comme ça, ce que j'ai compris. Bah nous, à part la taille, faut que ça soit assez grand pour qu'on puisse voir. Ah bah sinon, là, tu m'étonnes que c'est assez grand, là. Tu vois quand même pas mal là-dedans, non? Oh oui. C'est vrai que même nous, chez YAM, les rétros d'origine, laissez tomber. Hein. C'est des rétros, ils sont immenses. Tu vois de dingue dedans, mais après, tu t'habitues avec avoir des petits rétroviseurs, c'est quand même plus joli. Mais voilà, du coup, on va présenter rapidement le poste de pilotage. Alors, on a... le plein phare, warning, clignotant, ouais. Ok, pareil, klaxon, appel de phare, coupe-circuit, et ça c'est pour démarrer. Démarreur, ouais. Ok. Ouais, bah après ça reste classique. Hein. Ouais, classique. Est-ce que tu peux nous allumer le compteur? Bien sûr. Pour qu'on voit ce que ça donne, parce que je pense que ça chez Kawa c'est stylé quand même. Petite signature lumineuse. Ah oui. Oh, c'est super joli. Ah,
Il y a le Bluetooth. Ouais. C'est quoi le Bluetooth? Alors, sur, du ça coup, sert c'est, à quoi sur une moto? C'est sur le nouveau modèle de chez Kawasaki. Ils ont mis le Bluetooth dessus. Et en fait, sur mon téléphone, j'ai une application de Kawasaki. Et dessus, je peux voir tout ce que j'ai fait avec la moto. Les kilomètres, la consommation. Kilomètres, consommation, vitesse max. Ah ouais? À combien je me suis penché, à gauche, à droite, les distances, tout. Ah, c'est dingue! Ah, ça, c'est vraiment stylé. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a le température moteur, on a l'heure, la conso. Ouais. Alors ça, conso moyenne, le kilomètre moyen, vitesse moyenne, l'heure totale. Ouais, ça c'est classique. Et la batterie. Oh, c'est fou ça, on n'a pas ça. Et juste ici, du coup, bah, les différents. Donc elle a 3136 km, elle est neuve. Hein. Tu l'as achetée neuve. Elle est neuve. Ça fait 2 ans que tu l'as. Non, même pas. Donc, ça fait depuis le mois de mai. Mais c'est vrai que là c'est tout neuf, c'est tout récent. Donc avec le compte tour siglé jusqu'à 14 000 tours, je sais pas si on va voir. T'as un écran de protection non dessus? Ouais. Ah ouais, t'as laissé le. Bah c'est stylé, ça au moins ça évite les rayures. Donc t'as le voyant du neutre, voyant moteur, voyant ABS, t'as même la batterie. Okay. Y a quand même pas mal de choses qui changent comparé à Yamaha. Hein. Franchement, moi par exemple, la batterie, aucune idée. Et à savoir que sur les Yam, les batteries, ça tombe tout le temps en panne. Hein. Ça, c'est un truc de fou. Je pense que la MT, je l'avais pas roulée une fois pendant quelques semaines. Ça galère à redémarrer. Mais surtout quand on voit que les R1 ou quoi, t'as beau rouler toute la journée, tu l'arrêtes, tu veux la rallumer, elle démarre pas. C'est pas pourquoi. Les batteries Yam, c'est catastrophique. Moi, à un moment donné, j'ai pas roulé avec pendant presque 2 semaines, à démarrer au quart de tour. Aucun problème. Ouais, c'est quelque chose de fou quand même. Bon, après, c'est une moto super récente, donc on va dire qu'elle a tous les accessoires récents d'une moto. Ouais. Elle est carénage typé un peu sport. Ce qui est super joli, c'est le cadre vert. Je sais pas si vous le voyez bien, là, cadre vert, jante vert. Toi, en tout cas, t'en prends soin. Hein. Toi, tu la nettoies. Hein, que là, on voit la couleur, on voit à travers, on pourrait manger dessus carrément. Parce que les miennes, on sait même plus si elles sont bleues ou si elles sont grises. À la limite, toutes les semaines, je vais la laver. C'est fou. Donc, feu LED. Ouais. Ah ça c'est joli, franchement c'est une super. Oh sympa, ah ouais ça fait carrément un bonhomme. Ça fait un emoji, ah c'est fou. Ah c'est vraiment super joli, avec le petit Dobby. C'est ça hein, c'est Dobby c'est ça, hein. Ouais. Alors lui sur la vitesse max il doit être en train de s'envoler. Ses jambes sont comme ça. Les jambes sont comme ça. On va parler rapidement du coup des specs classiques, hein, comme une présentation classique. Oh, ce qui m'étonne c'est que tu dois être bien assis je pense. Ouais, franchement. C'est fou parce que regardez, le dossier, il est vachement. Ouais, c'est quoi comme moto? C'est une sportive, une roadster, c'est quoi? C'est roadster. Ouais, roadster, c'est pas encore sportif, mais la position, ouais, c'est ça, c'est roadster. Ouais, on voit qu'elle est neuve parce que t'as encore les lignes sur les pneus, t'as encore la couleur dessus. C'est toi qui as colorié le 300, c'est ça? Ouais, c'est moi. Et là, le Dunlop. Ça, franchement, ça fait la diff. C'est quoi ça? Oui, effectivement, je les ai oubliés. C'est des accessoires aussi que j'ai rajoutés. Et est-ce que ça sert à quelque chose ou c'est juste pour le style? Esthétique et en même temps, si... Si ça tape, ça tapera ça. Mais c'est surtout avec béquille d'atelier, en fait. Ah, bah oui, moi, c'est vrai, bah oui, je suis bête. Ah oui, bah oui, on va dire, c'est les tampons pour ta béquille d'atelier. Ah, super. Ok, donc ça, tu l'as rajouté. T'as rajouté un petit peu de choses là-dessus. Sinon, après, t'as rien touché. Pour l'instant, non, en tout cas. Est-ce que par la suite, il y a des évolutions que t'aimerais mettre sur la moto? T'as quelque chose en tête ou pas encore? Du coup, comme je te disais avant qu'on filme, les leviers, du coup. Les leviers, donc. Acheter des bons. Et ça serait des verts ou pas forcément? Des verts, ouais. Ah ouais, c'est vrai que des ça verts. Rappellerait la couleur de la moto. Hein. Et je vais faire, c'est aussi un kit déco, mais sur toute la moto. Kit déco, Bah, c'est vrai que là, on va dire, tu vas avoir de la place. Hein. Il y a beaucoup de carénage. Hein. La taille du réservoir, elle est énorme. Tu sais à peu près là ce que tu mets dedans? C'est enfin, 14 litres. 14 litres? Je pense que moi, c'est litres, pareil. Ouais. Je sais pas. Ne me demandez pas, j'en sais rien. 14 litres, ok. Niveau conso, on voyait 4,4 litres de moyenne. Ouais, c'est ça de moyenne, ouais. Tu entre... fais combien avec un plein en fait? 150 km, 200 km? Oh, même plus. Et dernièrement, en juillet, j'étais jusqu'au Luxembourg, donc près de la Belgique. Ouais. Et j'ai fait 300 et quelques kilomètres et j'avais encore une barre d'essence. Donc, Ouais, donc en fait, ça veut dire que si tu roules raisonnablement, tu peux aller. Au moins 400. Hein. Si tu fais ça tranquille, je pense 400. Donc ça va, c'est quand même. Presque 400. Ouais, t'es pas à la pompe tous les jours non plus. Ouais, non, non. Après, ça dépend de la conduite. Je pense que si tu mets les gaz, c'est comme partout. Tu feras plus de 100 km, 250. Hein. Ouais. Ça, c'est fou. Donc après, pour la Belgique aussi, il faut nous parler. Toi, elle roule exclusivement au 95. Ouais. C'est ça. Tu nous expliquais la différence. Si tu peux nous le refaire avec l'accent belge, la différence de prix, tout ça. À combien elle est 95 chez vous? 95 chez nous, en moyenne, c'est
un 47. Ouais. Or que 98. Le 98, c'est entre 20 et 30 centimes plus cher. Donc, ah, c'est fou. Ça arrive. C'est, comment vous dites ça? 1,99 1,99, ouais. Ah, c'est fou. Ça, c'est quoi? 70, 90? Ouais, 70, 90. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Non. Ah, c'est dingue. Ça, franchement, c'est dingue. C'est vraiment la Belgique typique. Hein, ça. Donc, c'est vrai que moi, si je passe en Belgique, c'est mieux pour moi d'aller faire le plein. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à économiser. Si tu me dis, ouais, 47, 1,46, le 95, nous, il est plus aux alentours d'un 60 à 70. Hein. Ceux qui sont à la frontière, c'est mieux pour eux d'aller faire le plein là-dessus. C'est plus avantageux, ouais. Ah, forcément. Alors, je pense qu'on peut parler directement niveau tarif. Combien ça coûte ça en concession? Rien que la moto, c'est 6500 et quelque chose. Ok. 6500 et du coup, le pack. En plus. 1000 euros. Ok, d'accord. Et je sais pas, mais au niveau des cartes grises, c'est pareil qu'en France? Le prix, c'est pas un truc hallucinant? Il y a rien qui change? Tout ce qu'on paye, c'est quand on reçoit la plaque, 30 euros. Ok. Et c'est tout. Rien d'autre. C'est tout. Oh, c'est dingue. Au niveau des plaques d'immatriculation, tu me parlais que forcément en Belgique, il y a la possibilité d'avoir des plaques personnalisées. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Le tarif, s'il te plaît. 1000 euros. Ah, c'est fou, c'est fou. Ça veut dire, si tu veux te faire une plaque perso en mettant, je sais pas, n'importe quoi, 1, 2, 3, 4, non, il faut des lettres quand même, je pense. Non, donc c'est ce que tu veux. Tu peux mettre 1, 2, 3, 4, ce que tu veux. Tant que tu payes 1000 balles et tant que la plaque n'est pas prise par une autre personne. Ouais, 1000 balles. Oh, c'est fou. Même si tu mets juste un chiffre ou une seule lettre, 1000 balles. 1000 euros la plaque personnalisée. Après, j'ai envie de te dire, ça reste cher et pas cher parce que, pourquoi je dis ça? Celui qui est dans son délire, tu peux la garder la plaque après. Ouais. Ouais, donc au final, tu la payes une fois 1000 euros, mais tu la mets sur tous tes véhicules. Oui, tu peux la mettre sur la prochaine moto, etc. Ok, bah c'est n'importe quoi. Ça veut dire, si t'as envie de te faire plaisir, un truc personnalisé, je sais pas, t'as un garage, une concession, une boîte, je sais pas, t'as envie de faire plaisir à quelqu'un, mettre des initiales ou quoi, 1000 balles, mais voilà, tu peux t'en servir autant de fois que tu veux de la plaque. Ouais, c'est fou. Je pense que si on avait ça en France, on peut dire que c'est cher, mais je pense que beaucoup de personnes le feraient. C'est sûr que c'est cher, ouais. Comme ça, 1000 balles d'un coup, mais bon, mais comme tu dis, au moins... C'est une personnalisation qui est dingue. Je pense, je sais pas, à des GMK, des Akram, je pense, direct, il y aurait des plaques Pog, oh, oui. GMK, Akram. Pog, il a ses plaques. Pog, il le fait, ouais. Bah oui, je suis complètement bête, il est de Belgique aussi. Bah, c'est dingue. D'ailleurs, à savoir qu'il est né pas loin d'ici, c'est une ville qui est juste à côté. Donc au niveau du prix, tu me disais 6000 euros, c'est ça, hein? 6500. Donc tu rajoutes le pack, t'as 7000 euros. Ouais. Ok, donc 7000 euros, bah, après j'ai envie de te dire, c'est le prix du marché. Hein. Ouais, hein. Pour une moto en A2, c'est le prix. Hein. C'est plus ou moins le même prix. De base, j'hésitais avec une KTM. Regardé, c'était plus ou moins le même prix. T'hésitais avec quoi, un 390 ou... Ouais, 390. Comment ça se dit en Belgique? 390 ou 390. 390, c'est fou. J'adore l'accent belge, 390, c'est dingue. Donc, si on parle un peu spec de la moto, maintenant qu'on y est, on a dit pour la consommation, ok, ça c'est bon. Est-ce qu'on peut parler de l'assurance? Ouais. Est-ce que c'est pareil, tiers, tout risque? Ouais, c'est pareil que chez vous, il y a plusieurs grades, j'ai envie de dire. Et toi, elle est assurée comment celle-là? Tout. Tout? Bah, une moto, de toute façon, souvent, c'est tout. Hein. Tout ce qui peut arriver, elle est assurée pour. Ok, et tu payes combien? C'est cher? Ça, c'est... ouais. Ah ouais? Alors, déjà, il faut savoir que là où je suis assuré, en fait, de base, ils ne voulaient pas m'assurer la moto. Ah oui? Vu que j'avais pas d'autres... De base, j'ai une voiture, mais j'avais arrêté l'assurance de ma voiture, vu que je ne l'utilisais pas. Ils ne voulaient pas me l'assurer, vu que j'avais pas 30 ans. Ah et, ouais? Ouais. Ah, c'est fou. J'ai été obligé d'assurer ma voiture pour qu'ils assurent la moto. Ouais, ils t'ont pris un package, quoi. Ils t'ont dit, tu prends la voiture, on t'assure la moto. Voilà. C'est dingue. Et du coup, le tarif, la douloureuse? 100, si j'arrondis, 125 euros. Ah, c'est fou. Ah, c'est fou. Oui, mais en sachant que de base, ils voulaient me faire payer 185 euros. Ah, c'est dingue. J'ai quand même réussi à baisser le prix. C'est fou parce que c'est cher. Mais c'est déjà arrivé aussi que je croise des personnes avec des tarifs similaires en France. Parce que c'est la moto, parce qu'on est jeune. Bah après, j'ai envie de te dire, toi, je pense que ton profil en France, ça serait pas du tout le même tarif. Parce que déjà, tu es un peu plus vieux. Déjà, 24 ans, nous en France, quand on assure des motos, c'est à 18 ans. Ah ouais. Tu viens d'avoir le permis, tu assures, je sais pas, un MT-07, un MT-9 bridé. C'est pour ça que tu payes aussi cher. Mais ouais, c'est vrai qu'à l'année, ça fait quand même un sacré budget. Hein. Mais en soi, je suis pas si vieux permis que ça. Ça fait que 2 ans, ouais. 2 ans et demi que je l'ai. Ouais, c'est ça. Mais ouais, qui te demande justement, oui, vous n'avez pas 30 ans, faut mettre la voiture chez nous. Il y a quand même pas mal de conditions. Hein. Ah, c'est fou. Donc, après, si on peut parler, je pense que tout le monde veut savoir, combien ça prend? Est-ce que c'est pareil qu'une MT-07 MT-07, je sais pas combien ça prend, mais... Ça prend 190, maximum, grand maximum, 200, mais ça arrive très rarement. Bah, du coup, comme je t'ai dit tout à l'heure, le maximum que j'ai su atteindre, 190. Donc, 190. 190, 190. Ah, c'est fou. Parce qu'en Belgique, c'est 120. Hein. C'est de base, oui, 120. Il n'y a pas plus. Hein. Ah, non. 120. Ouais, et en ville, je sais pas, 50. En ville, 50, ouais. 30.
50. Moi, je vais expliquer justement. Des fois 30. Ouais, moi, je vais expliquer justement avant la vidéo. Je vais souvent en Belgique parce que je suis à la frontière. Dernièrement, j'ai pris une malheureuse amende pour stationnement parce que j'ai pas mis le petit truc avec le parkmètre. Je suis allé 15 minutes au supermarché, j'ai mangé 35 balles. Voilà, si le procureur du roi il voit ça, c'est comme ça, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ah, c'est fou. Ouais, vous inquiétez pas, je vais la payer. 190 km/h. Bon, après, en Belgique, je sais pas, c'est pareil au niveau des limitations. Si tu te fais choper à, je sais pas, à 180, ils te sautent le permis directement. Ah ouais, au-dessus de, comme en France, au-dessus de 40. Okay. T'as des points? Non, pas de points en Belgique. Ah, ça se passe comment du coup? T'es au téléphone, t'es pris au téléphone, comment ça se passe? Amende, c'est tout. C'est tout? C'est tout. Mais ils te retirent pas le permis? Non. Il n'y a qu'un gros excès de vitesse qui va pouvoir te retirer le permis? Ouais, si tu dépasses 40 km/h au-dessus de la vitesse, ils te retirent le permis. Mais tu te fais prendre au téléphone, tu te fais prendre, je sais pas, il y a quoi, dépassement sur une ligne continue? Ah. Juste une amende. Ah, c'est tout. Ah, c'est fou. Bah, c'est bien, non? Ouais, mais il parle de vouloir faire le permis à point. Le permis à point aussi? Ah ouais. Ah ouais, bah après, c'est vrai que le permis à point, c'est bien et c'est pas bien. Je pense que le système belge, c'est pareil, c'est bien, c'est pas bien. C'est ses avantages, ses inconvénients comme partout. Mais c'est super intéressant, d'ailleurs, cette vidéo est super intéressante de voir un petit peu les différences entre nos deux pays. Parce qu'on est quasiment à côté, hein. La frontière, elle est super proche. Mais ça veut dire que tu passes cette frontière, au niveau de la moto, ça change tout. Ah ouais. Est-ce que ça, c'est obligatoire ou c'est toi qui as décidé de le laisser? C'est de base en fait. C'est mis sur la moto, mais est-ce que tu as le droit de l'enlever ou pas? Je pense que oui. Ouais, ok. Parce que c'est vrai que moi aussi j'en avais, c'est des catadiopes, j'en avais sur les roues. Je les ai enlevés parce que j'aimais pas trop ça, mais je sais pas, je me suis dit peut-être qu'en Belgique tu peux te prendre une amende parce que tu n'as pas ça. Bah écoute, justement, mon collègue qui roule avec le moto qui ne doit pas. Il en a pas et il s'est jamais fait embêter. Il n'y a pas eu de souci avec ça. Ok, non. D'accord. Est-ce que tu as la possibilité de mettre un support de plaque court sur ça? Je pense que oui, parce que juste là en dessous de mémoire, c'est juste des vis. Ouais. C'est juste des vis. Donc. Tu as la possibilité de raccourcir éventuellement et de la mettre. Ah, c'est vrai que moi, personnellement, je pense que ça serait super joli. Mais je suis en train de regarder justement. Ah, c'est fou. Je suis en train de regarder, mais aussi avec des clignotants à LED, forcément, qui restent beaux. Mais parce que tu peux faire des belles évolutions là-dessus. Tu peux changer de la pièce, tu peux, je sais pas, sur AliExpress, n'importe quoi, Amazon, je pense que tu peux acheter comme toutes les motos pas mal de pièces, malgré que ce soit pas une moto qui soit beaucoup vendue, je pense. Tu n'en vois pas souvent, toi? Non, j'en vois pas souvent, mais justement, protège radiateur, j'ai acheté sur AliExpress, mais j'ai cherché littéralement pendant une semaine. Ah ouais, c'était compliqué. J'arrivais pas à trouver. Ah, c'est dingue. Mais après, du coup, tu as la petite cartouche Acra, sympa. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'on voit vraiment que c'est chicané. Hein. Ouais. Je trouve ça vraiment, je sais pas, si tu voyais un vrai trou là, ça serait incroyable. Ouais. Hein. Mais bon, en vrai, le bruit, ça va encore. Bah après, forcément. Mais par contre, ça se voit qu'elle est neuve. Hein. Oh. Elle est neuve, elle est super bien entretenue, c'est super propre. Franchement, je vous la filme là rapidement. Est-ce qu'il y a d'autres coloris ou non? Ouais, il y a rouge. Rouge? Donc tout ce que tu vois en vert là, ouais, c'est soit en vert ou en rouge. Ok, les jantes aussi? Ouais. Ah, ça doit être aussi pas mal. Hein. Franchement, c'est stylé. Ah ouais? Tu regarderas, c'est sur avec leur un cadre site, hein. Rouge aussi? Ouais, ah, c'est ouais. Sur leur site. Hein. Ah ouais? Ah bah franchement, pourquoi pas regarder? Donc t'as l'ABS dessus, hein, c'est ça? Ouais, hein. Ouais, ABS, ouais. Ah ouais, franchement, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est super joli. Donc le sabot d'origine, je sais pas, est-ce que tu peux rajouter beaucoup de pièces toi là-dessus? À mon avis, on peut rajouter. Ou soit tu remplaces les pièces par du carbone. Ouais, aussi. Énorme. Ouais, ils sont énormes, mais on les voit très bien. Ah bah là, tu m'étonnes que tu les vois très bien. Attends, vu la taille des clignotants là. Eux, t'as pas tu peux pas les modifier. Bah, à première vue, non. Eux, si tu enlèves ça, c'est. Ouais, c'est moulé, donc à mon avis, je sais pas. Après, j'avoue que ça passe bien. Franchement, elle a une super jolie tête. Ces coloris. Comment ils appellent ça? Noir? Noir et vert? C'est. Y a pas un terme spécial. Le nom qu'ils mettent sur le site, c'est. De mémoire, c'est bonbon vert. Ah ouais, genre, parce que moi pour les MT-07, il me semble que c'est Icon Blue. Ils ont des noms, c'est un truc de fou. Après, j'ai envie de te dire, t'achètes une MT, t'as que le choix entre noir, bleu et gris, mais avec des jantes orange, t'as pas beaucoup de choix. Là, tu vas me dire, t'as que deux choix de couleurs aussi. Ouais. T'as pas non plus énormément d'autres choix. Non, je pense que on a fait un bon tour. Moi, ce que j'adore sur cette moto, et après tu nous diras les points que tu préfères, mais moi, c'est le cadre vert. Franchement, je le trouve super joli. Cadre vert et les jantes vertes, c'est dingue. Elle a une jolie tête. T'aimes bien le vert, tu kiffes. Ah ouais, je kiffe le vert, moi. Ah, c'est dingue. Je kiffe le vert. C'est quoi, toi, les points positifs et points négatifs que tu dirais sur la moto? Point positif, ouais. Franchement, tu es d'une route, c'est incroyable. Ok. Même quand les pneus sont froids, c'est incroyable. Ouais, parce que là, en soi, tu as déjà fait 3000 km avec, donc tu as un bon ressenti déjà sur le véhicule. Ouais. Rien que tout à l'heure, quand j'ai démarré de chez moi, du coup, elle était froide. Ouais. J'ai roulé. Ça suit. Voilà.
Franchement, c'est nickel. Ah bah super. Tenue de route, nickel. La vitesse, nickel. T'as pas de régulateur là-dessus? Il n'y a pas de régulateur. Moi, il n'y en a pas dommage. Non plus. Ce qui est dommage pour une moto de 2024, c'est vrai qu'il n'y a pas avoir de régulateur, c'est dommage. Mais il y a le Bluetooth. Ouais, nous, on ne l'a pas. Si jamais après, tu pourras nous montrer l'application. Ouais. Et est-ce que tu as un point négatif avant de nous montrer ça? Franchement. En soi, ta première moto, tu peux pas souvent connaître s'il y a des points négatifs, dans le sens où si tu n'as pas eu d'autres motos, tu peux pas voir la différence. Bah, vu que j'ai essayé plein d'autres motos, ouais, j'ai essayé la Z125, ouais. MT125, Suzuki 950, j'en ai essayé plusieurs. Et franchement. Confort, tenue de route, suspension, t'adores. Franchement, nickel. Ah, c'est dingue. J'ai rien à dire. Ah, franchement, elle est super jolie. Hein. C'est super joli, magnifique, les petits stickers d'origine. Tout est d'origine et tout est neuf. Là, franchement, ça se voit que tout est neuf. Poste de pilotage épuré. Franchement, c'est sympa. Si tu peux nous montrer l'application. Oui, alors je l'ouvre. Parce que du coup, tu dois te connecter à la moto ou c'est directement... Je dois mettre le contact et normalement, elle va se reconnecter toute seule. Est-ce que tu l'utilises souvent ou c'est un gadget? Je sais pas. Ah, bah là, c'est... Ah non, elle ne s'est pas connectée. Mais le problème, c'est que je sais pas, des fois, à mon avis, l'application, à mon avis, elle a un bug et des fois, ça ne veut pas se connecter. Après, est-ce que c'est peut-être nouveau? Si c'est nouveau, peut-être que. Oui, oui, c'est nouveau. Ouais, ils n'ont pas assez d'années d'expérience là-dessus. Hein. C'est nouveau, c'est la première fois qu'ils font ça. Hein, donc, Après, ma foi, c'est bien d'avoir tout sur le téléphone. Maintenant, tu prends les dernières voitures, tu peux avoir tout sur le téléphone. Hein. Ouais. Les dernières voitures, tu peux ouvrir les portes, tu peux avoir ta console, lancer la clim, lancer le chauffage. Que ça soit chez Mercedes, que ça soit chez Tesla, chez Audi, maintenant tout se gère depuis le téléphone et ta clé, bah, c'est le téléphone quoi. Et aussi, il faut savoir que là, c'est juste la Z500. Ouais. Mais par exemple, la H2R ou ouais. Les Z au-dessus, tu sais changer directement les paramètres de la moto. Ah, parce que tu as plusieurs styles de conduite, on ouais. va dire. Ah, c'est fou. Et tu sais tout faire depuis l'application. En ah, fait. C'est dingue. Ah, franchement, c'est stylé. Mais ça doit être joli, ça doit être bien présenté. Hein. Si tu arrives à te connecter, ça peut être sympa à. C'est connecté, mais je ne sais pas pourquoi avec la Z500, en fait, il n'y a pas toutes les infos. Comme, ah ouais. Ouais. Il n'y a pas toutes les infos comme sur les autres motos, donc il ne veut rien savoir en fait. Ah, il veut pas. Non, il veut pas. C'est dommage. C'est dommage, mais en tout cas, c'est une super moto, franchement très très jolie. Alors là, tu fais quoi avec les clés ici? Ah non, si. Ah si. C'est le... pour. Ah oui, montre-nous. Je vais te montrer, je vais te montrer. Hein. Ah, on a failli l'oublier ça. Le coffre de sel. Est-ce que tu mets beaucoup de choses ou pas? En vrai, ça va. Ouais, bah, c'est comme une MT, j'ai envie de te dire. Ah oui, non, ah ouais. Non, il y a de la place et même... Ouais, tu peux mettre des outils. Écoute, j'ai même pas besoin d'acheter d'outils en fait. Ah, ils les fournissent avec? Ouais, juste là en fait, c'est trousse à outils. Neuf, jamais utilisé. Tous les juste utilisés pour la bulle. Ouais. Mais sinon... Ouais, ils te les donnent avec. Ouais, nous, ce qui est bien, c'est que chez MT, ils les mettent sous la selle. Ah ouais. Tu sors la selle, ils sont clipsés dessus. Ça, franchement, c'est que sur les motos neuves. Hein. Après, tu prends des motos d'occasion, soit elles sont vieilles, soit il n'y a plus les outils. Déjà, ça, c'est moyen, ça. Soit ils sont tout rouillés. Donc, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais en tout cas, de voir que tout le cadre, il est vert, franchement, c'est super joli. C'est là que tu vois qu'il y a du taf, déjà. Dès que tu as une peinture de cadre, franchement, je suis étonné, ça change tout. Parce qu'en soi, elle est beaucoup carénée. Ouais. Pour un roadster, elle est pas mal carénée. Quand on voit la MT7, bah, on a beaucoup moins de carénage. Hein. Ce qui est fou. Après, là, c'est parce que c'est des gros carénages. Et aussi, c'est galère à enlever. Les carénages? Ouais, parce que ben, justement, pour mettre le chargement USB, j'ai dû enlever le carénage là, sauf que en fait, c'est tout ça en un bloc. Ah, c'est une partie à enlever. Ouais, ah, c'est une partie, mais il y a plein de clips partout, c'est super chiant à enlever. Ah, c'est dingue. Ah, c'est dingue. Non, mais franchement, elle est super sympa. Fais-nous écouter le bruit. Bien sûr. Directement. Je vais me mettre de l'autre côté pour qu'on entende la ligne. La cartouche Acra, du coup, pas la ligne. Ah, ouais, ouais. Ah, c'est sympa, hein. Ça va, hein. Pour juste la cartouche, ça va, hein. Ah, le bruit n'a rien à voir avec une MT, hein. Ah, non, non, non. Ah, c'est complètement fou, hein. Ah, c'est sympa. Parce que, pour comparer, en fait, moi, j'ai eu la MT neuve avec ma ligne complète d'origine. Aucun bruit, aucun bruit. Tu avais beau accélérer dans le vide, tout ce que tu veux, aucun bruit. Impossible de l'entendre en roulant. Donc là, franchement, si tu me dis que c'est que la cartouche, ça va. Ouais. Mais tu as la possibilité de mettre la ligne complète? Ils en vendent, mais bon. Ah, c'est encore plus cher? Ah ouais, c'est encore plus cher. Nous, une ligne complète, chez nous, c'est entre 800 et 1000 euros.
Ah ouais, bah, plus ou moins, ouais. Oh, c'est dingue. Plus ou moins le même. Oh, c'est super cher. Mais même avec le silencieux d'origine, en fait, elle fait un beau bruit Ouais, déjà en de fait, base. c'est pas du tout un bruit de comme la MT. Enfin, c'est pas un bruit de roadster, ça limite un bruit de sportif quand Ouais. tu montes dans les tours, je pense. Là, en fait, c'est juste que le son est un peu plus grave, Ouais. mais sinon, Oh, ça change pas franchement, énormément c'est entre super l'autre. sympa. Hein. Donc, au niveau du freinage, est-ce qu'on est. Parce que là, je vois que c'est super joli, c'est super propre. Est-ce que ça freine bien? Oui. Ouais. Très, très. Tu t'es déjà fait peur ou pas avec? À un moment donné, oui. Mais déjà, il n'y a pas assez longtemps, quand je suis venu Ah oui? sur l'autoroute. Ah merde. Ouais. Parce que j'avais pas entendu ce que le GPS m'avait dit dans les écouteurs. Du Ah coup, j'ai ouais? regardé le téléphone et j'ai dû faire un petit Un freinage petit freinage d'urgence. d'urgence, ouais, c'est vrai. Bah oui, c'est vrai que t'es venu de Belgique du coup directement. Tu me disais même les panneaux, tu comprenais pas parce que nous, ils ont rajouté des panneaux Ah ouais. interfiles là depuis quelques mois à ne rien Et je comprendre. voyais un panneau 130, mais en dessous, il disait 110 s'il pleuvait. Le GPS disait 120. C'est quoi ces deux petits crochets là? Je suis en train de me demander là. Bah Qu'est-ce que écoute, je ne j'ai? sais. C'est si je veux mettre un sac pour Ah, un bagage, genre les c'est pour, sangles ou ouais, quoi, pour tu veux. Ah ouais, accrocher, tu ouais. veux le prendre là? Ok, d'accord, super. Bon, bah écoute, je pense qu'on a tout présenté au niveau de la moto. Est-ce que t'as un truc à dire en particulier sur la moto? Un truc à rajouter ou quoi que ce Pas soit? du tout. Je pense Non. que là, Non, on on a a tout tout dit. dit. Ah oui, moi j'ai une question. Est-ce que pour le permis en Belgique, ça change quelque chose? Est-ce que vous passez les mêmes épreuves que nous? Non. Ah bah, tu vois, j'ai bien fait de poser la question. Comment on passe le permis moto en Belgique? En soi, les épreuves, c'est plus ou moins pareil, Ouais. sauf que c'est pas la même façon. Ah bon? Qu'est-ce Ouais. qui change en fait? Parce que avant de passer le permis moto, je regardais plein de Ouais. vidéos, mais malheureusement, je tombais que sur des vidéos Française, françaises, ouais. et c'est pas du tout pareil. Vous avez pas. Enfin, vous avez un plateau, du coup, c'est On pareil. a un plateau, oui, mais c'est pas la même façon. Vous faites pas d'évitement. Enfin, si, vous faites des évitements, mais vous faites pas. Je sais pas, vous faites pas le lent, après l'évitement, après le freinage d'urgence. C'est pas pareil. Non, on fait d'abord une poussette, donc on a la moto, on doit Ouais. la pousser pour la garer. Puis on démarre, on fait un slalom et après on fait un 8. Ouais. Après le 8, on doit passer sur une grande boucle, faire un évitement, Ouais. refaire demi-tour pour faire le lent et Ah oui. refaire la grande boucle pour faire Ok, donc oui. le freinage. Ouais, donc quand tu me dis que tu cherchais des vidéos sur le plateau, bah tu trouvais pas. Parce que forcément, C'est quand pas tu du vois tout le notre même, ouais. plateau à nous, c'est pas la même chose. Non. Et il n'y a pas de youtubeur super connu en moto qui filme ça là-bas? Bah, la seule fois où j'en ai vu un, bah, c'est quand j'avais fait le permis, donc ça ne me Ah, servait plus à c'est rien. vrai. Bah, il y a un truc à faire. Celui qui veut choper la place de youtubeur moto en Belgique, il y a normalement de la place. Moi, je vois beaucoup de TikTok d'un fameux policier. Ouais. Tu m'as parlé parce que tu l'as déjà rencontré. Ouais. Et c'est une figure emblématique, on va dire là-bas. Ouais, si on veut, ouais. Ouais, celui qui a eu. À chaque fois, on le voit arrêter des gens sur TikTok avec des reportages. Mais est-ce que c'est un truc qui passe à la télé? Ouais. Il tourne beaucoup d'épisodes ou c'est une fois, ils ont été repris plein de Non, fois? c'est tous les mardis un nouvel épisode. C'est de mémoire l'émission, c'est 90 minutes enquête. Ah, c'est fou parce qu'en France, Enfin, c'est 90 90 minutes. minutes enquête. Ouais. Donc vous avez la même chose en Belgique. Ah, oh, c'est dingue. Et tous les mardis, ils passent à la télé. Ah, c'est dingue. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'ai jamais filmé de Z, mais moi j'avais hésité à prendre cette moto avec le Z de 750, mais on m'avait déconseillé cette moto. Mais c'est vrai que quand on voit ça, c'est joli. Ça fait une super grosse moto. Ça n'existe pas en permis A. Ça ferait combien de chevaux du coup? Mais pas la 500 du coup. Ah, pas la 500. Ça monte jusque la Z1000. Ouais, c'est ça, mais tu peux pas avoir. Celle-là, elle est au full à 47,5. Précisément 45,4. 45,4. Moi, ce que j'adore, c'est les plaques belges. Elle est énorme, la plaque. En plus, elle est vissée avec des vis. Ouais, t'en as perdu une. Je l'ai vu hier. Et c'est pas obligatoire d'avoir des rivets là-dessus? Non? Bah, nous, c'est obligatoire d'avoir des rivets. Il y a quand même. Parce que là, vous n'allez pas l'entendre. Parce que le micro, il est là. Mais il y a quand même un sacré bruit. Franchement. Bon là j'ai même pas besoin de lui demander si elle est chaude pour faire une balade parce que je pense qu'avec ce qu'il vient de nous mettre, c'est déjà chaud. Je savais pas que la Belgique y avait autant de différence qu'avec la France. Pour ceux qui le savaient, bah, n'hésitez pas à le mettre en commentaire parce que franchement je pense que c'est fou. Même quand il rétrograde ou quoi, on l'entend vraiment. C'est ça qui est fou. Mais c'est surtout à partir de 6000. Ouais. À partir de 6000, Après là ça perd du temps. c'est siglé 14 000. T'es déjà allé jusqu'à 14 000 au rue. Y a un rupteur là-dessus? Ouais, le rupteur se déclenche à 10 500 Ok, plutôt. ouais. 10 500, 11 000. Ok, bon franchement c'est stylé. Bah écoutez les amis, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires.
On va se retrouver directement pour la deuxième partie de la vidéo, une partie balade. Donc je sais pas si je mettrai tout dans la même vidéo ou si je mettrai deux vidéos. En tout cas les amis, je mettrai ta Instagram hein, où tu poses des photos. Chiro hein. Monsieur Chiro 38, mais j'en ai aussi un parce que je vais faire une chaîne moto avec. Ok, bah écoutez les mecs, je mettrai tout ça en description pour qu'on puisse voir ça et pour que vous puissiez suivre l'aventure pour ceux qui aiment vraiment ce genre de modèle. Nous on se retrouve en balade directement. Salut les mecs, ciao. Salut, salut. Ciao. I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, I'm about to write a hit.